Je commence par remercier les organisateurs de ce cours supérieur de m'avoir invité pour parler d'une situation clinique qui intéresse les urgentistes, les réanimateurs et bien évidemment les pneumologues, l'anaphylaxie aiguë, qui a été décrite pour la première fois en 1902 par deux éminents physiologistes que vous voyez sur la photo, qui ont créé le terme d'anaphylaxie qui est défini la propriété dont doué un venin à diminuer donc l'immunité quand il est injecté à des doses donc non mortelles. La découverte a été faite à l'occasion donc d'une croisière. Ces deux physiologistes ont été invités par un prince, le prince de Monaco, parce qu'il a constaté que les pêcheurs qui étaient sur le bateau avaient des lésions cutanées qui apparaissent lors de la manipulation donc de produits marins, plus particulièrement la phylazie, à partir de laquelle a été créé le terme d'anaphylaxie. Et à partir de ces constatations, ils ont mené des études expérimentales sur des chiens permettant donc de découvrir donc cette situation clinique. À partir de cette date-là, nous avons reconnu donc plusieurs définitions établies par des sociétés savantes, par des groupes de travail. Ces définitions ont le point commun, c'est que l'anaphylaxie est une c'est la manifestation la plus grave qui est due à une hypersensibilité immédiate, potentiellement fatale. C'est une réaction systémique qui est due donc à une libération de médiateurs par les basophiles et les mastocytes en rapport avec un contact avec l'allergène. Passons maintenant à une revue de quelques chiffres épidémiologiques. Ces chiffres épidémiologiques ont permis donc de constater que la prévalence de cette pathologie est en augmentation au fil des années, surtout au cours des 15 premières années. Mais heureusement, donc, la prévalence et l'incidence restent faibles, aux alentours de 0,02 à 5,1%. Donc, il a été également constaté dans cette étude qui a été menée sur 10 ans que le nombre d'hospitalisations est également en augmentation par anaphylaxie et que donc, les chiffres d'hospitalisation sont les mêmes chez la femme et chez l'homme. Par contre, pour les étiologies de cette anaphylaxie, on constate que chez les enfants, c'est essentiellement l'origine alimentaire. À partir de l'âge adulte, c'est essentiellement donc, les médicaments et les piqûres d'insectes. De même pour la mortalité, heureusement, donc, il a été constaté qu'au cours de ces 10 dernières années, la mortalité était faible mais stable aussi. Donc, à partir donc, de ces différents chiffres, et les causes de décès étaient variables en fonction des étiologies. Donc, il a été également constaté que la mortalité va dépendre de l'âge, du sexe, de l'ethnie, des comorbidités, mais aussi du type de l'allergène. Et à partir de ces constatations-là, on a pu établir quels sont les facteurs de risque donc, de sévérité et également donc, les facteurs de risque de mortalité par anaphylaxie. Et il en ressort que c'est essentiellement l'adulte, l'homme, les Africains, les patients asthmatiques, les patients présentant une allergie à certains aliments tels que l'arachide, les fruits à coque, mais également donc certains médicaments et plus particulièrement les antibiotiques. Et on va constater que sur ce graphique-là, que les principaux donc étiologies de l'anaphylaxie sont les médicaments et les aliments, d'où les constatations concernant l'établissement que ces deux facteurs sont des facteurs donc de gravité de l'anaphylaxie. Voyons maintenant les mécanismes physiopathologiques de l'anaphylaxie aiguë. Donc, je rappelle que c'est un mécanisme d'hypersensibilité immédiat. Donc, cette réaction se fait en deux phases. La phase de sensibilisation permettant donc le contact de l'allergène avec l'organisme, la production d'anticorps type IgE et donc suivie d'une phase de déclenchement à la suite d'une réexposition avec un allergène des cellules de pro-inflammatoires. Il y aura donc une production donc, de médiateurs. C'est la particularité de l'action de ces médiateurs ou de l'effet de ces médiateurs. C'est leur effet systémique qui va intéresser plusieurs organes. La peau, le cœur, le système respiratoire, le système neuro-endocrinien, le type digestif, à tel point que actuellement, il est évident que ces
médiateurs de l'inflammation vont agir au niveau des vaisseaux, au niveau du muscle, au niveau de l'épithélium et également au niveau du muscle cardiaque. Et on parlera donc de l'anaphylaxie cardiaque parce qu'il a été découvert que le tissu cardiaque contient des mastocytes qui vont produire ces médiateurs donc, de l'inflammation avec d'autres donc, tels que les prostaglandines et les leucotriènes qui vont agir sur tous les différents constituants du corps, y compris donc, les tissus de conduction, le muscle et les vaisseaux. Il y a également donc l'implication du système neuroendocrinien par la diminution des catécholamines, l'augmentation de certains cytokines et l'augmentation de l'acétylcholine. Tous ces médiateurs, leur action va expliquer donc le tableau clinique de l'anaphylaxie aiguë. Donc le diagnostic de l'anaphylaxie aiguë est un diagnostic clinique. C'est une atteinte multiviscérale. C'est un tableau qui est caractérisé par la brutalité de l'installation des symptômes et il a été également constaté que les manifestations cutanéomycoses sont les manifestations les plus fréquentes, suivies par les signes respiratoires, les signes digestifs qu'il faut rechercher donc à l'interrogatoire. Donc, résumons donc pour le diagnostic de l'anaphylaxie aiguë, il est recommandé en cas de suspicion donc d'une anaphylaxie aiguë de rechercher les signes donc respiratoires, les signes circulatoires, les signes digestifs et les signes cutanéomuqueux. À partir donc de ces signes-là, il a été établi donc des recommandations permettant donc de retenir les critères de diagnostic positif de l'anaphylaxie qui ont été résumés par les experts en trois situations. Donc, dans la première situation, nous pouvons retenir le diagnostic d'anaphylaxie aiguë devant l'installation brutale de signes cutanéomuqueux, de signes respiratoires, d'une hypotension ou de signes d'hypoperfusion périphérique. La deuxième situation, il faut au moins deux critères d'installation rapide lorsqu'il y a une exposition à un allergène potentiel. Parmi ces critères-là, vous retrouvez bien évidemment donc les signes cutanés, les signes respiratoires, l'hypotension, les signes digestifs. La troisième situation, c'est la constatation d'une hypotension après une exposition d'un patient allergique à un allergène connu. Donc, dans ce cas-là, l'hypotension est définie par une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure chez l'adulte. Dans cette situation, le diagnostic est très facile par rapport aux autres situations. Bien évidemment, parallèlement au diagnostic positif, il est important d'évaluer la gravité donc, de la réaction. Et pour cela, il a été établi une classification donc, en quatre grades, allant des simples signes cutanéomuqueux jusqu'à l'arrêt cardiaque respiratoire et les décès. Pourquoi l'évaluation de la sévérité? Parce qu'elle a un intérêt tout d'abord pronostique, mais aussi elle a un intérêt thérapeutique et ultérieurement un intérêt pour prédire du risque du récidive de l'anaphylaxie. Parce que l'évolution de cette pathologie est une évolution qui est très imprévisible. Bien évidemment, c'est une situation clinique, le diagnostic est essentiellement clinique, se pose la question, est-ce qu'il faut faire des examens complémentaires et quels sont les examens complémentaires qu'il faut faire? Pour cela, je réponds tout de suite, les autorités, donc les hautes autorités de santé en France ont préconisé et recommandé en cas de suspicion donc de réaction anaphylaxique ou plutôt d'anaphylaxie de faire le dosage de la trypsine. Donc, mais le dosage doit être fait dans les 30 minutes, les 60 heures et les premières 6 heures de la réaction anaphylactique parce que cette substance est douée. Ça se bloque. Parce que c'est une substance qui résulte d'une granulation lente et elle a un intérêt dans le diagnostic positif de la réaction lorsqu'on n'assiste pas au cours des 30 premières minutes à ces manifestations cliniques. Micro. Le dosage de la trypsine a fait le sujet de plusieurs publications. Pourquoi faisons-nous ce dosage-là, puisque le diagnostic est clinique? Certes, il a un intérêt dans l'évaluation de la sévérité de la réaction, parce que l'élévation de taux de la tryptase est corrélée à la sévérité de la réaction d'une part. Il a un intérêt également pour évaluer, donc, pour suivre la cinétique de ce dosage-là, surtout lorsqu'on n'assiste pas à
la réaction, mais il faut toutefois suivre les recommandations. Donc, je rappelle, les prélèvements seront faits dans les 15, les 60 et les 6 heures, donc à la suite de la réaction. Concernant le dosage de l'histamine, il est difficile parfois de réaliser ce dosage-là parce qu'il nécessite des conditions particulières de prélèvement. Il doit être fait dans les 30 premières minutes parce que la demi-vie plasmatique de l'histamine est très courte, ne dépassant pas les 20 minutes. Voyons maintenant quelles sont les étiologies donc, de l'anaphylaxie aiguë. Et à partir de cette publication donc, qui a intéressé quand même 333 cas d'allergie médicamenteuse qui s'est étalée sur 8 ans, il a été constaté que pour les médicaments, c'est essentiellement les antibiotiques et puis les anesthésiques et les myorelaxants. Ces constatations ont été également rapportées par d'autres auteurs et en analysant les résultats, on voit que les circonstances de survenue donc de l'anaphylaxie étaient essentiellement en ambulatoire. Et pour les circonstances en péranesthésie, c'était essentiellement les antibiotiques plus que donc les anesthésiques. Et elle est responsable à peu près de 2% donc des décès. Et il y a eu recours à l'utilisation de l'adrénaline quand même dans 60% des cas. Et le médicament incriminé a été déterminé dans 88%, dans 88 cas à peu près, donc le 30%. Concernant les aliments, donc l'anaphylaxie alimentaire représente à peu près le un tiers de l'ensemble des manifestations donc, de l'allergie alimentaire. Il faut retenir les principaux aliments qui sont les plus allergisants et qui sont à l'origine de réactions sévères. Et c'est à partir de ces aliments-là qu'on a pu classer donc, la sévérité, prédire de la sévérité de la réaction. Et à partir de ces aliments-là, vous allez voir après qu'à partir de ces aliments-là, on a établi donc, les recommandations de la prescription de l'adrénaline auto-injectable. Donc, retenez que les principaux aliments, ce sont les poissons, les crustacés, les fruits à coque, l'arachide, le lait, on le retrouve donc à peu près à la cinquième position, l'œuf et le soja. Une forme particulière de l'anaphylaxie aiguë, qui est l'anaphylaxie alimentaire induite par l'exercice, bien que rare, mais il est intéressant de la connaître. Il faut savoir que la première description remonte aux années 80. Le premier cas publié était celui d'une allergie alimentaire induite par l'exercice due à la prise de la crevette chez un coureur de fond. On rapporte cette situation particulière parce que, tout d'abord, elle est rare, mais aussi les critères de diagnostic. C'est pas portable. Donc les critères pour retenir le diagnostic d'anaphylaxie alimentaire induite par l'exercice, tout d'abord il faut savoir que c'est des patients qui n'ont les symptômes qu'après une course libre et après ingestion de l'aliment et que le diagnostic est fait bien évidemment la description donc, et les circonstances de la survenue de l'anaphylaxie mais aussi sur les tests cutanés qui sont positifs. Mais ces patients-là, lorsqu'on leur demande de faire une course libre, il n'y a aucun symptôme qui apparaît et le diagnostic, en cas de doute de diagnostic, il faut réaliser un test de provocation donc en milieu hospitalier, c'est-à-dire on va demander au patient d'ingérer l'aliment. Quelques minutes après, il va effectuer une course libre sous surveillance et il va reproduire ses symptômes. Il faut savoir que les principaux aliments qui ont été initialement décrits, la crevette bien évidemment, la farine de blé, mais actuellement donc, on note les fruits exotiques, la pêche, le raisin, et la liste est en train de s'allonger. Passons maintenant à la prise en charge donc, de l'anaphylaxie aiguë. Comme la définition le dit, il s'agit d'une urgence thérapeutique. Heureusement que les recommandations sont claires, c'est des recommandations consensuelles qui ont été régulièrement révisées. Et le point fort de ces recommandations, que c'est les différentes sociétés savantes et les différents groupes de travail, les avis ne sont pas très divergents concernant la prise en charge de l'épisode aigu. Peut-être quelques controverses concernant la prévention des récidives. Et il faut savoir d'emblée que le traitement de référence est l'adrénaline.
Ce traitement a pour but de traiter l'épisode aigu, mais également a pour but de prévenir les récidives. Commençons par traiter donc l'épisode aigu. Je commencerai par les mesures générales que tout le monde le connaît, donc positionnement du patient, position allongée, jambes surélevées, position de sécurité, mais j'insisterai surtout sur l'arrêt de l'administration de tout produit, surtout en perfusion, et également donc d'éviter de faire des lavages gastriques en cas de suspicion d'allergie d'une origine alimentaire à cette anaphylaxie pour éviter les inhalations. Avant de traiter le volet, donc le traitement par l'adrénaline, on peut associer donc les antihistaminiques, les corticoïdes, les bronchodilatateurs, le remplissage vasculaire, bien évidemment en fonction du contexte clinique. L'adrénaline sera administrée chez l'adulte à la dose de 0,2 à 0,5 mg. Chez l'enfant, la dose est plus faible, donc 0,1 mg par kilo. Il faut répéter les doses toutes les 5 à 30 minutes en cas de réponse insuffisante. On privilégie donc la voie intramusculaire et l'administration au niveau de la cuisse. Il faut souligner donc l'inefficacité de la voie inhalée. Ça ne sert à rien de donner des aérosols d'adrénaline chez un patient qui présente donc un choc anaphylactique. Le choix de la voie intramusculaire et de la voie, le siège, le lieu donc de l'administration de l'adrénaline a été donc bien déterminé par cette étude en évaluant donc le délai donc de concentration maximale de l'adrénaline au niveau de l'organisme. Donc, comme vous le remarquez, donc le temps est plus court lorsque le produit est administré donc par voie intramusculaire au niveau de la cuisse. Il est important de préciser qu'on peut indiquer l'adrénaline par voie intraveineuse en cas de non-réponse, mais il faut obligatoirement une titration chez l'adulte à éviter chez l'enfant. Donc, il a été constaté également après la revue de la littérature que dans près de 36% des cas, le patient aura besoin de plus de deux doses d'adrénaline et ceci pourrait être expliqué par l'évolution donc de l'anaphylaxie chez ces patients-là en deux phases, la phase donc initiale et la phase donc tardive. Et les causes de non-réponse, c'est essentiellement donc la progression rapide du choc, le caractère sévère de l'anaphylaxie, peut-être l'administration de doses faibles, vérifier donc la date de présomption du produit et parfois donc les causes de non-réponse et aussi la prise de bêta-bloquants ou d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Le rôle du sulfite a été soulevé dans certaines publications. Donc, concernant donc, l'adrénaline auto-injectable ou les dispositifs auto-injectables, il faut savoir qu'il existe trois dispositifs qui sont administrés en fonction du poids. Deux dispositifs seulement aux États-Unis, trois dispositifs donc, à dose progressive donc, en Europe. Et l'avantage de l'adrénaline auto-injectable, c'est la facilité d'utilisation, mais aussi donc la possibilité donc d'une conservation plus longue par rapport à l'adrénaline donc usuelle. Après avoir régulé l'épisode aigu, donc là, il est obligatoire et il a été recommandé une durée de surveillance au moins de 6 heures. Ces recommandations, c'est des recommandations donc européennes par les sociétés donc savantes. Il est obligatoire donc de prescrire une adrénaline auto-injectable avec une bonne éducation. Le malade sera par la suite adressé à la consultation d'allergo, bien sûr, si l'origine allergique est suspectée. Et il est important d'élaborer un rapport détaillé, un plan d'action donc individualisé pour chaque patient, lui indiquant donc les différents signes qu'il a présentés, qu'est-ce qu'il a eu comme traitement pour pouvoir entamer donc l'enquête étiologique. Bien évidemment, l'éviction de l'allergène suspecté s'il est identifié. L'indication de l'adrénaline donc auto-injectable a fait sujet de controverses, surtout pour les patients. Donc ça s'est soulevé le problème pour les patients. Est-ce qu'il faut indiquer les dispositifs auto-injectables pour les patients qui sont sous immunothérapie allergénique? Jusque-là, les recommandations sont claires, pas d'indication. Pour les patients qui ont présenté des réactions locales assez étendues suite à l'épiqûre d'insectes, l'indication sera régulée du cas par cas. Il est préférable d'indiquer donc
les dispositifs auto-injectables pour les réactions assez sévères, mais aussi pour les patients qui ont des comorbidités et surtout pour les patients qui ont la possibilité d'avoir ce dispositif, donc avoir les moyens d'acheter ce dispositif. Le problème, ça s'est posé aussi pour les suspicions d'allergie alimentaire. Vous allez voir sur la diapo suivante que les recommandations sont de plus en plus claires. Le problème, ça s'est posé également pour les manifestations donc cutanio-muqueuses, l'angiodème et l'urticaire en cas d'allergie alimentaire. Les différentes sociétés savantes et surtout le groupe donc français qui a regroupé l'Anaforcal, également la Société française d'allergologie, ont établi donc des recommandations pour leurs patients. Ces recommandations se sont basées sur leur expérience et ils ont indiqué une prescription obligatoire d'adrénaline dans les 5 situations suivantes: en cas d'antécédent donc de réaction sévère, en cas donc d'allergie à l'arachide ou les fruits à coque, les réactions sévères même à la suite d'ingestion de pommes et de pêches, les anomalies des voies aériennes supérieures et en cas de dysphagie. Je terminerai par dire que l'anaphylaxie aiguë est réellement une urgence. Heureusement que les prises en charge sont claires pour l'épisode aigu et c'est des recommandations qui sont consensuelles. Tout le problème, c'est pour éviter les récidives. Qu'allons adapter comme plan d'action? Il faut savoir que la prise en charge de l'anaphylaxie est un partenariat médecin-malade, donc traiter cas par cas, surtout insister sur le rapport médical qui sera délivré au patient à la suite donc de la prise en charge de l'épisode aigu et d'un plan d'action qui est clair. Et là, il faut insister également sur la disponibilité impérative des dispositifs auto-injectables qui malheureusement n'existent pas en Tunisie. Je terminerai par poser la question: quelles sont les perspectives en Tunisie? Personnellement, quand j'ai fait la recherche bibliographique, je n'ai pas trouvé d'études utilisées sauf une mise au point concernant l'anaphylaxie aiguë. Oui, que va-t-on faire pour nos patients en attendant le bilan étiologique, ceux qui ont consulté les urgences ou ceux qui ont été hospitalisés donc pour une anaphylaxie aiguë? Ça va nous amener à pousser les autorités à la disposition de nous mettre à notre disposition les dispositifs auto-injectables qui vont faciliter donc la prise en charge de l'anaphylaxie. Je vous remercie.